Bonjour tout le monde, c'est Nico. Je suis au deuxième endroit Mince, où il fallait prendre la photo. Oh, tu me. Mince, c'est un peu coupé. Je vais te taper. Mince, c'est un peu coupé. Ta gueule. Mince, c'est un peu coupé. Nique ta mère la pute. Mince, c'est un peu coupé. 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 Mais il le fait exprès, fils de pute. Mince, c'est un peu coupé. Je vais le tuer. Mince, c'est un peu coupé. Je vais l'enculer. Mince, c'est un peu coupé. Je vais faire du mal. Allez, on passe à la suivante. Putain ! C'était comment ces rois ? T'en as parlé un peu ? Ils avaient tous des pouvoirs particuliers. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même hésité fortement à faire la vidéo bien après cette quête, hein, voire même quand je venais de la finir. Parce que, ça a déjà. Et surtout parce qu'il y a trop d'ennemis chiants. Ah d'accord, non, faut que je passe comme ça pour passer là. Oh là là, le bordel, mais quel bordel. Oh, c'est trop relou. Bon bah on va lâcher comme ça, hein. Oh non. Je sais pas c'était quel ennemi, mais là... Oh putain, un cerbère. Et en plus... Soyons prudents. Ah d'accord, donc... C'est pas un chien qui nous arrêtera. Eh merde, ça continue l'histoire principale. Niveau combien? 45? Bon bah on va le niquer le Cerber, comme ça au moins après on va être tranquille. Après je pense. Aïe. Fallait s'y attendre. Tiens attends du coup, vu que c'est... Ouais, la glace c'est vraiment son bras. Bon, en même temps encore ouais, hein, j'ai envie de dire. D'accord. Ah oui, ils arrivent quand même à être gelés. Ah, ça leur fait mal. Non, tant mieux. Faut qu'ils se fassent. Ouais, c'est chiant. Et voilà, c'est fini. À moins que... C'est que la première faille. On le chatouille là. Il tiendra pas longtemps comme ça. C'était sûr. Il allait pas être fini comme ça. Par contre, j'ai l'impression qu'on avance vraiment au combat final. C'est terrible. Moi, c'est pas ce que je veux maintenant, quoi. Oh. Plus ou moins à la retraite, mais je peux encore aider. T'arrives à point. Ça sent le roussi. Mais le combat des... C'est quand même... Désolé, je suis obligé de mettre pause, mais c'est quand même grave que même pour faire une putain de quête secondaire, t'es obligé de te taper de la quête principale juste parce que la quête secondaire te force à aller à un endroit où la quête principale continue. C'est horrible de faire un truc comme ça. Vraiment, c'est dégueulasse.
Moi, je voulais pas le combattre, ce putain de chien, mais j'ai pas le choix. Surtout que ça me mettrait sûrement des murs invisibles au bout d'un moment, donc bon. Allez, on se reprend. On va le fumer, mais j'espère qu'on va pas me forcer à rentrer à l'intérieur. Hein. C'est le seul truc que j'accepterai. On ne fasse pas rentrer à l'intérieur. Là, je l'accepte. Évidemment. Surtout que bah on a du niveau à gagner quoi. Hein. Ah, on peut invoquer. Oh putain. Rien à branler, j'invoque. J'invoque. Je m'en branle. J'en ai rien à branler. Allez, nique ta mère, connard de chien. Oh. Léviathan, putain. Les morts du dos, je l'ai jamais vu, Léviathan. J'ai eu Shiva, j'ai eu l'autre là avec la rafale aérienne là, mais Léviathan, je l'ai jamais vu. Oh putain. Mort. Hein. Bon bah, trophée obtenu, triple triomphe, a vaincu le Cerbère. Oh, ah, il battait contre quoi là? Il est pas mort? Non, cinématique. C'était bizarre que ça nous l'avait pas mis directement, mais ok. Ah, je crois que mon jour est venu. Noctis, écoute-moi. Tu me diras ça plus tard. J'ai de la chance. Je tiens vraiment à te le dire. Et là, coup de poignard pour qu'il ne le dise jamais. J'ai eu l'honneur de servir trois grands rois et de me battre à leur côté. Maréchal, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. D'accord. J'attendrai que tu ramènes l'aube. Ouais bah tu vas attendre encore au moins une vidéo ou deux hein, parce que c'est pas près d'arriver mon pote. Donc il dit qu'il sent que son heure est venue mais il arrive pas à se lever. En général quand tu dis ça tu restes allongé comme une merde. Et tu fais des petits bruits de bouche qui signifient que tu as crevé et c'est fini. C'est ça en général quand tu dis oh, je crois que mon jour vient d'arriver, mon dernier jour. Ah bah, non, ne rentrez pas à l'intérieur. Toujours. Ne rentrez pas à l'intérieur. En plus, c'est chiant, il n'a même pas pu gagner d'XP. On pourra jamais affronter tout ça. Oh, tu sais, une invocation, c'est réglé. Hein. Pas question. Une invocation, c'est réglé. Hein. Tu les dégages tous. Tu les dégages tous d'un coup. Wesh. Luna. Dieu Deus, au nom des serments sacrés, prêtez votre force au roi élu. Soutenez-le, afin qu'il accomplisse son destin. Attends, elle est descendue du paradis au... Par la volonté. Qu'est-ce qu'elle branle là, elle? Nous allons tous unir nos forces et lui frayer un chemin. Pas. Je veux finir ma quête secondaire, moi. Je vous déteste. Vous savez que à la seconde où on va démarrer le boss. Oh. Je vous jure, si on part directement faire le combat final, sincèrement, hein, la quête secondaire nique sa mère. On la fera jamais. Je m'en fous. On la finira pas. Mais c'est très frustrant hein, parce qu'on on gagne pas de niveau quoi. Mais j'espère que ça va nous faire un délire de en mode. Avant qu'on rentre, ça va nous faire un délire de « Ouais... T'es sûr ?» Vraiment, prépare-toi, parce que là, c'est la fin. Tu rentres à l'intérieur, c'est fini. T'auras plus le droit de ressortir. Donc bon. Et on l'a pas trouvé, lui. C'est bien, ça nous met même des dieux qu'on n'a pas trouvé. C'est trop cool. Mais bon, ça veut dire qu'on aurait dû... Bizarre, on aurait dû le trouver dans l'espoir normalement. Ah bah non, elle, c'est vrai que je l'ai trouvé. Si, lui on l'avait vu. Lui on l'avait vu en vidéo. Mais...
Putain, c'est classe. J'aurais préféré une explosion, mais bon, comme ils veulent. Waouh. Je savais même pas que c'était ici qu'il fallait pour la quête principale, c'est ça le plus horrible. Je savais même pas qu'il fallait venir à cet endroit précis. Luna, je te remercie. Mon roi, maintenant, tout repose sur toi. T'as les boules, hein, connard. Chut. Bien fait pour ta gueule. Ça prendra à voir une meuf. Divine. Oui, j'ai le sub, je suis tout seul. Personne n'aime. On n'est pas les seuls à se battre. Ah. Les dieux comptent sur toi, Nocte. Tu portes leurs espoirs. Ouais. J'ai plus qu'une chose à faire maintenant. Terminer ta quête secondaire. Et ouais, on peut continuer la quête secondaire. Putain de merde, je vous jure que la quête secondaire, on la termine, on coupe la vidéo et on se retrouvera à cet endroit précis. Hein. Vraiment. La quête secondaire se termine, on retourne à la maison, je coupe la vidéo et on se retrouvera à cet endroit précis pour la prochaine. Parce que de toute façon, on aura tout fait, donc... Bon bah, ça nous avance un minimum sur l'histoire, ça ne fait rien, j'imagine. Ah, de l'éclair, yes. On va en avoir besoin. Tout ce que je veux, c'est qu'on n'ait pas d'ennemis, là. Vraiment, on en a bien chié avec Cerber, quoique... Et wesh, il est où? Tu me dis pas qu'il est à l'intérieur des débris, là, je vais péter mon crâne. Bon, bah, nique ta mère. Hein. Mais, comment dire? Ouais. Je veux pas d'ennemis, là, on en a bien chié avec Cerber, c'est bon, ça suffit. Mince, c'est un peu coupé. Mince, c'est un peu coupé. Celle-là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Le tout premier roi remonte à loin. Je me demande comment il était. Tiens, attends, juste pour voir... Le... Ouais, donc va falloir passer par là, là... En fait, je me dis, il faut peut-être retourner au lieu de repos, hein, parce que, bon... Faudra passer par ça et ça. C'était le premier de sa lignée choisi pour protéger le cristal. Ils avaient tous des pouvoirs, mais lui devait être le plus puissant. Tu te rends compte? Hardin aurait très bien pu être un de ces. On n'a rien à faire qu'on soit issu de la même. Quand je l'aurai, je tue. Non. Non, 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 c'est mort. Allez vous faire foutre. Bon, par contre, vu comment on est loin, je crois vraiment qu'il faut retourner au lieu de repos. Ah oui, non, 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 on n'a pas le choix là. On est trop loin, on n'a pas le choix, ça aurait été horrible. Au pire, j'aurais fait une coupure, mais même là, j'aurais... Pff, trop chiant. Tiens, toi. Mais je veux te parler, connard. Je vais vous frapper, Square. Square Enix, je vais vous fumer vos mains. Je suis navré, Majesté. J'ai malheureusement égaré la clé de cette porte. On ne peut plus passer par là, pour le moment. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû la perdre quelque part. Je suis quasiment sûr que je l'avais encore quand j'étais à la gare. D'accord, donc il faut aller à la gare. Moi, tout ce que je veux, c'est cette putain de clé. Hein.
C'est ici la gare par logique. Ah, est-ce que c'est la clé? Putain! Tiens. En vrai. Ah! Bon, en vrai, tant qu'on peut faire les deux, les deux trucs, je m'en branle. Hein, si on ne trouve pas sa clé. Ah non, on peut juste aller en faire un pour l'instant. Bon. Mieux que rien, on va dire. À moins que c'est cette gare-là dont il parlait, le monsieur. Putain, ce serait bizarre hein, s'il parle de celle-là. Est-ce que t'es prêt ? Évidemment. Non. Allez tous vous faire enculer. Jamais de la vie. Oh, attends. Jamais. Ah non, non, non. Éventuellement au retour, et encore même là, je suis pas. Les merdes. Je sens une force puissante et de mauvaise humeur. Ah bah, c'est ça qu'on doit prendre. Bah oui, du coup on peut pas vu qu'on est en combat. Wesh. Oh, je veux pas qu'elle me transforme en grenouille. Et merde, elle m'a transformé en pierre. Oh, sérieux, ils sont tous dans la merde là. C'est bon. Oh. Nadio. Secourisme. Prompto. Ça y va bientôt crever cette con. De balle, ça fait mal. Prompto, c'est normal. Non, tu fous moi, c'est rival là. Non. Ma gueule. Accroche-toi!
Agnès! J'ai trouvé un point faible. Putain, il a tué un PV, le pauvre. Putain de merde. Personne n'arrêtera le roi de la lumière. Magnifique. Non mais il se passe quoi, bordel? Au bon endroit. Putain, eh mais sérieux quoi? Attends 2 secondes la carte. Donc... Ah, on peut peut-être passer par là. Bah on va tenter, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix de tenter des trucs, hein. Vu qu'on... Ok, fallait bien passer par là. Putain, j'ai peur des ennemis qu'on va se taper maintenant. Mais là que j'espère qu'on peut ouvrir. C'est bien de me dire que j'ai pas la bonne clé, mais c'est laquelle la bonne? Non, parce que là, honnêtement, bah j'en sais rien. J'en sais rien, on me l'a pas dit. Alors ça se peut que c'est la clé que le bâtard a perdu, je ne dis pas le contraire, mais en supposant qu'il y a 3 clés, pas 2, je fais comment? Non, parce que du coup, je suis baisé, hein. Allez, hop, on retourne à la chambre, parce que sinon, le jeu va me péter les couilles. Bon, à cause des ennemis. Le maréchal a une... Quoi? Le maréchal a une fois de plus frôlé la mort. Ah, frôlé, ok. Toi, connard. Je suis navré, majesté. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis quasiment sûr que je l'ai... Je vous jure que ce jeu veut tout faire pour que je termine pas les quêtes annexes, hein. De temps en temps, c'est terrible. Le jeu fait tout pour que j'abandonne. Non, même pas. On aurait pu espérer, hein, après tout. Mais non. Un truc à me dire. Ouais, je suis à toi. Ah. Alors, par où commencer ? Bah allez, ça fait un peu de l'or. Sais-tu quand les gens meurent vraiment? Hein? Les gens meurent définitivement. Quand leurs souvenirs disparaissent. Oh la rêve! Mais si on ne les oublie pas. Ça se peut, c'est pas du tout une rêve. Ouais, ça se peut, c'est pas du tout une rêve, mais ça me fait grave penser à une phrase qui est clairement comme ça dans One Piece. Putain! J'ai encore d'autres choses à te dire. C'est littéralement une des phrases de One Piece. Sauf que le mec qui a dit ça, il est mort, donc bon. Avec le temps, tu ressembles de plus en plus à ton père. Tu trouves ? Sa Majesté avait un précepte. Il disait que sauver ne serait-ce qu'une personne revenait à sauver l'humanité. Ouais, bon, après... La personne que l'on a sauvée pourrait elle-même sauver quelqu'un d'autre. Elle pourrait aussi devenir un inventeur et faciliter la vie au monde entier. Je comprends mieux certains choix de mon père. Tu as toi aussi des gens à protéger.
ils construiront l'avenir. Et aideront à leur tour l'humanité. Puisses-tu prendre exemple sur Régis? Ouais. Compte sur moi. J'ai encore d'autres choses à te dire. Je me rappelle encore très clairement du jour de ta naissance. Le jour de ma naissance? Quand j'ai appris que tu allais naître prématurément, j'ai fait monter ton père dans la régalia et j'ai foncé vers l'hôpital à plein gaz. Si vite que j'ai fini par rater une sortie et qu'on a eu un petit accident. On est arrivé à l'hôpital sain et sauf, mais la régalia était dans un sale état. Sid nous a engueulés comme du poisson pourri. J'aurais vraiment pas imaginé ça de toi. Je revois le sourire de ton père te tenant dans ses bras et le visage enragé de Sid. J'oublierai jamais. Quand j'y pense, tu n'étais alors qu'un tout petit bébé. Tu as bien grandi. Arrête, tu vas me faire rougir. J'ai encore d'autres choses à te dire. Sérieux? Non. T'as rien à me dire. Fini. Je suis content qu'on ait pu discuter. Je te remercie. Les histoires de vieux, après tout, c'est pas si mal que ça. Quand tout sera fini. Continue de guider les gens vers l'avenir. Tu dis que je suis vieux, mais tu ne m'accordes pas la retraite. Ils ont besoin de toi. T'es un modèle à suivre et un leader né. Tu surmènes vraiment tes suivants. Les chiens ne font pas des chats. Miaou. Pourquoi vous rigolez? Bon, on va tenter de récupérer la clé de l'autre connard, hein, si on peut. Jamais passé par là parce que ça sert à rien, à moins que c'est la clé. J'y croyais pas aussi. Ah non. Le fait qu'il soit juste là, le truc, c'est horriblement frustrant. Quand on est passé là-bas tout à l'heure, ça ne nous disait pas qu'il fallait aller ici. Putain, 25 000 ans. Allez.
Bah non, on a fouillé partout et c'est nulle part. Ouais. Par contre, je vois pas pourquoi ça me met un lit alors qu'il y a rien. À moins que... Oh. Wesh. Ah. Intéressant. Ouais, bah allez, hein. Ignis, réunion stratégique. On a rien de mieux à foutre, alors bon. Oui, votre majesté. Il va nous faire bouffer ou non? Ok. Dommage qu'on trouve pas de clé. Ça me casse les couilles parce que du coup on sait pas où aller. Finalement, on... Je suis prêt. Allons-y. Oh merde. Attends, mais j'ai été où là? À mon tour. Ah merde, de mauvais côté. Tant que l'autre n'est pas réveillé. Tant que l'autre neuf comme ça, en vrai, il n'y a pas à s'inquiéter. Du coup, là, on a fouillé partout ici, on trouve pas de clé, mais du coup, faut faire quoi? Elle est où, sa putain clé? Oui. Ah, peut-être qu'elle est par là. Franchement, j'y crois même pas. Hein. J'y crois même pas, mais honnêtement... On n'a rien à perdre, hein, donc... allez. Oh, bordel. J'ai envie d'avoir le bon soupçon que, éventuellement, c'est un des deux mecs, là, qui l'a, mais... on sait que c'est pas le cas. Ah, quand même, hein. Ah non, c'est pas ouf. Tir à blanc. Ah non, bah non, pas tir à blanc. Oh, t'es malade. C'est éclaté. Noyau Magitech, 228. Ouais. On va dire que ça passe. Chacun sait ce qu'il a à faire, évidemment. Le travail d'équipe, ça nous connaît. Ah ouais, et ça... ça leur fait vraiment mal, hein. Évidemment. Par contre, je tiens à dire que si d'ici la fin de cette vidéo, on n'arrive toujours pas à trouver un moyen pour y aller, clairement, je me démerde hors vidéo. Je m'en bats les couilles, je me démerde hors vidéo. Putain.
Pas ici. Pas maintenant. Prends-toi. Ignis. J'ai trouvé un parc. Une rafale de balles, ça fait mal. Attention, là. Ouais. C'est pas ton jeu. Pas de panique, je suis là. Picole. Ignis. J'ai trouvé un point faible. Pas comme toi, Ignis, mais tu es venu en Nico, s'il te plaît. J'ai trouvé un point faible. Bah, tant mieux, hein. Ah. Faire trop traîner par terre. Je peux faire un. Ça va dire. 6 mètres sur le centre. Aucun problème. Ouais. En effet. Je tiens à dire qu'ils sont niveau 45 et qu'on est tous littéralement dans les niveaux 50. À partir de ce moment-là, je suis censé faire quoi alors que j'ai plus de level que. Me donner des envies de meurtre, je sais même pas si je vais faire les DLC au final. Tellement le jeu me casse les couilles, je sais pas si je fais les DLC. Vraiment. Bon bah allez, but Noctis. Voilà, oh là là, on est enfin mort. Ah et bah non, c'est trop. Mais y'a que moi qui reviens à la vie, pas déconner. Encore un petit effort, on y est presque. Bon. Et du coup. Et du coup, il n'y a pas de clé. Ah. J'espère que c'est elle. Fils de pute. Impeccable. Putain. Donc même pas la... même la clé on ne l'a pas en tuant ces deux connards. Ouh ah. C'est... bah voilà. Cette simple quête secondaire vient de me rappeler pourquoi je déteste ça dans les jeux vidéo. Et pourquoi en majorité dans les jeux vidéo où il y en a, soit j'en fais pas du tout de quête secondaire, soit, bah, non, j'en fais pas. Ou alors, j'en fais très très peu. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a besoin de silence. Bon. On va retourner à la base, hein. Non, même pas en vrai. Vous savez... Oui, allez, ta gueule. Bon, vous savez quoi, le jeu a décidé de me briser les couilles, alors qu'il aille violer sa mère la pute en enfer. Voilà. Attends, 10 000 XP, ça donne. Ah, c'est sympa. Voilà, retour à Insomnia. On va faire cette quête-là la prochaine fois. On se retrouvera devant la porte, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, comme ça, personne m'emmerde. Et surtout comme ça, on gagne du temps sur la prochaine vidéo, hein. Ça va être utile. Voilà. Putain, je dois passer par où? Tant qu'il n'y a pas la... Ok, elle est pas là. Parfait. Bon bah voilà, on se retrouve là-bas la prochaine fois. Entre temps, moi je vais vendre des trucs, faire un peu de magasin pour gagner... Pour avoir de la vie, des soins et tout le bordel qu'il faut. Et puis voilà.
sais pas si la prochaine vidéo sera la dernière, je l'espère sincèrement, et d'un autre non je l'espère, et puis d'accord, et puis bah voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, ouais, n'hésitez pas à évidemment. Liker, commenter, partager, surtout à vous abonner, et puis à très vite pour la suite de Final Fantasy XV. Au revoir tout le monde, connard d'ennemis.